toi, Dieu. Qui est élevé, Jésus. C'est toi le roi puissant. Jésus, nous t'élevons. C'est toi le créateur. Diminuer Jésus. Nous voulons, très Dieu, que toi tu sois élevé, notre Dieu, pour que ta gloire descende dans ces lieux. Nous voulons te voir élevé, notre Dieu, pour que ta bénédiction, notre Dieu, puisse nous accompagner. Nous voulons t'élever, Jésus, parce que c'est toi qui nous attire vers toi. Nous venons t'élever, Jésus, parce que nous voulons, notre Dieu, expérimenter ta grandeur ce matin. Que nous tous, notre Dieu, nous soyons sous. Que nous soyons à tes pieds. Que nous puissions nous humilier, notre Dieu. Et que toi seul reçoive la gloire. Merci d'opérer tout ce qui est de toi. Accompagne-nous pendant ces instants. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre notre esprit, Père éternel, pour que nous puissions recevoir de toi quelque chose. Que notre entendement soit renouvelé. Que nos cœurs soient préparés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est un grand Dieu qui est magnifique et puissant. C'est lui qui est capable de tout accomplir. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit magnifié. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et j'en profite de l'occasion pour dire shalom à tous ceux qui sont sur Internet. Nous sommes dans la présence de celui qui vit. Et celui qui nous aime d'un amour vrai et puissant. Celui qui ne nous délaisse ni ne nous abandonne. Et celui qui nous a créés. Pour qui nous sommes un peuple. Un troupeau de son pâturage. C'est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons partir dans Apocalypse chapitre 4, du 1er au 11e verset. Apocalypse chapitre 4, du 11e, des 1er au 11e verset. J'aimerais que tu puisses lire pour comprendre. Et te tenir prêt pour écouter ce que Dieu veut nous partager. Alléluia. Amen. Apocalypse. Nous continuons pour nous lever pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 4, du 1er au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône autour du trône, il y avait 4 êtres vivants rempli Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Pardon. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur, et Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillard se prosterne devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Je ne sais pas quelle version tu as, je pense que la parole de Dieu est la même. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule Une église glorifiée. Alléluia. Amen. Nous avons bien aimé tous été appelés pour un but. Nous avons été choisis pour une mission. Celui qui ne se rend pas compte du pourquoi de son existence sur la terre ne saura jamais servir Dieu convenablement. Nous sommes dans le temps où nous devons prendre conscience de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Nous ne sommes pas venus sur terre comme des passagers inutiles. Mais Dieu nous a amenés sur la terre pour que nous puissions faire sa volonté. Alléluia. Amen. Dans notre passage que nous venons de lire, il est question d'un homme, d'un disciple qui s'appelait Jean, que Jésus aimait beaucoup. Et Dieu a fait en sorte que celui-ci puisse recevoir la révélation. La révélation de quoi? De ce qui devait arriver. Autrement dit, des choses à venir.
dans une île appelée Patmos. Patmos jour, où il était jeté comme ça, là, peut-être les gens pensaient qu'il allait mourir là-bas. Et Dieu a choisi cet endroit pour lui parler. La révélation ou l'Apocalypse, c'est un livre que beaucoup de gens souvent disent non, c'est un livre qui fait peur. Parce que des choses qui sont écrites font peur. En réalité, Dieu étant un Dieu d'amour, a voulu que nous puissions savoir ce qui arrivera après. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont plongés dans ce qu'ils voient. Tout ce qui attire leur attention. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. L'Apocalypse n'est pas un livre qui fait peur, mais plutôt un livre qui nous révèle ce qui va arriver. C'est à quoi nous devons nous préparer. Vous savez, bien souvent, quand nous sommes au travail, tu peux avoir bien faire ta tâche. Même au moment donné, tu te diras, tu regardes à gauche, à droite, le chef n'est pas là. Tu vas vouloir t'emballer à autre chose. Mais dès que tu apprends que le chef est là, tu vas retourner vite dans ce que tu étais en train de faire. Donc l'Apocalypse, c'est pour nous montrer de comprendre et de savoir que s'il y a eu un début, il y aura certainement une fin. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. La personne me dit, tu sais que la fin du monde n'existe pas. Moi, je n'y crois pas tellement. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu as raison, que la fin du monde n'existe pas. Mais avant la fin du monde, il y a la fin d'une vie sur terre. Il y a la fin d'une vie sur terre. C'est-à-dire que le jour où je meurs, pour moi, la vie sur terre est finie. Et la fin du monde dont on parle, c'est le jour où Christ reviendra pour prendre son église. Quand je parle de l'église, je parle de ceux qui seront agréables à lui, qui auront accompli leur tâche, leur mission. Christ ne viendra pas pour les dénominations. Oh non, je vais prendre Jésus qui serait de la vie. Ces jours-là, nous n'aurons pas besoin de ça. Ça sera une histoire personnelle. Chacun passera pour ce qu'il aura fait sur la terre. C'est pourquoi Dieu, comme étant un Père aimable, il a voulu nous avertir. Jean était dans l'île de Patmos. Si tu veux comprendre où nous sommes, tu peux repartir au chapitre premier. Au chapitre premier jusqu'au chapitre 3. Pour arriver là, tu comprendras bien. Mais je ne vais pas aller là-bas faute de temps. Il dit, après cela je regardais. On ne peut parler d'après cela que s'il y a eu un événement qui précède ce qu'on veut dire. Dieu a commencé avec lui quelque part. Mais quand il arrive au prophète, quand il dit après cela
Je l'avais dit jeudi dans mon exhortation. Il parle d'une porte ouverte dans le ciel. Les ciels dont il est question, c'était les ciels où Dieu règne. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te dire que non, ce ciel-là est dans telle ou telle partie. Alléluia. Amen. Mais c'est où règne la présence et la puissance de Dieu. Une porte est ouverte dans ce ciel-là, n'est-ce pas, pour révéler la chose à Jean. Et pendant qu'il regardait, une voix se fit entendre du ciel. Parce que Dieu voulait lui faire savoir les événements futurs. Et une voix se fait entendre du ciel. Et la Bible dit, il fut ravi en esprit. Être ravi en esprit veut dire tout son être humain n'avait plus de sens. Il est devenu spirituel. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu attends faire pour Dieu? Mais une chose que tu dois retenir est que si tu veux rentrer vraiment en contact avec Dieu, les choses que tu dois les faire en esprit. Si tu restes charnel, tu ne recevras rien du tout de la part de Dieu. La parole de Dieu dit, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les juge. Donc Jean était ravi en esprit. C'est-à-dire ce n'était plus son corps physique. Quand il était ravi en esprit, la Bible dit qu'il était transformé. Et là, comme ses yeux étaient fixés dans le ciel, il va voir le ciel. Du ciel, un trône. Et sur ce trône était assis quelqu'un. Et de cette personne qui était assise sur le trône est sortie la révélation. Alléluia. Amen. Quand il regardait avec ses yeux physiques, il n'a vu que le ciel ouvert. Mais pour que la chose commence, ce que Dieu voulait lui dire commence, il a fallu qu'il soit ravi en esprit. Bien aimé, il y a des dimensions dans ce que nous faisons avec Dieu. Si tu habites au 14e étage, tu fais comme moi un jour, je monte dans l'ascenseur. Au lieu d'appuyer mon étage, j'ai pris mon téléphone, j'étais en train de regarder. L'ascenseur est resté là. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, je dis, mais ça ne monte pas. Ce n'est pas que l'ascenseur ne monte pas, mais c'est que moi, je n'avais pas appuyé. Dans les choses de Dieu, il y a des dimensions qu'il faut prendre. Alléluia. Si tu veux recevoir des choses de l'esprit, il faut que tu montes en esprit. Ne sois toujours pas charnel. Alléluia. Amen. Jean pouvait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ravi en esprit, il commençait à comprendre. Il a bien vu un trône.
Sur ce trône, quelqu'un assis. Mais avant de monter, la voix qui lui a fait entendre, qui s'est fait entendre à lui la première fois, cette voix lui a dit: monte ici. Parce que de là où il regardait, il ne pouvait pas recevoir la révélation. La voix lui dit: monte ici. Si ta vie chrétienne tourne en rond et que tu ne fais pas de pas, alors tu vas commencer à te dire: Dieu n'agit pas. Ce matin, Dieu te dit: monte ici. Parce qu'il veut t'enseigner. Il veut te parler des choses que tu ne connais pas. Des choses qui vont t'amener dans une dimension autre que là où tu vivais. Tu dois chaque jour prendre la peine de te dire: il faut que j'avance avec Dieu. Le Seigneur a commencé à lui parler. Vous savez, quand on parle ciel, on considère que c'est le palais de Dieu. Nous considérons. Parce que rien ne peut contenir sa puissance, sa présence. C'est un Dieu immensement grand. Alléluia. Amen. C'est comme si c'était un palais. Si nous allons dans Ézéchiel, on va d'abord lire Ézéchiel chapitre 1, premier. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel, on a d'Adigaron. Écoutez ce qu'elle dit. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent, c'est qu'il y a des visions ou des choses que Dieu veut te communiquer. Des fois dans ta prière, tu peux dire à Dieu: il y a une chanson qui chante: ouvrez les écluses des cieux. Vous savez ça? De mon cœur, hein? Pour que je désire te voir, n'est-ce pas? Ouvre les yeux de mon cœur. Donc c'est pour dire: ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir ce qui se passe dans les cieux. Parce que je désire moi te voir. Ézéchiel va dire: j'étais captif. Et quand les cieux s'ouvrirent, j'ai des visions. C'est pourquoi tu dois toujours chercher à monter avec Dieu. Monter en altitude. On ne doit pas rester au même endroit. Alléluia. Amen. Il voit la vision, lui, Jean. Dans la vision, il commence à énumérer qu'il avait vu un trône, quelqu'un assis dessus. Il a parlé de 24 vieillards qu'il a aussi vu. Les 4 vieillards qui étaient assis sur 24 vieillards, pardon, qui étaient assis sur 24 trônes. Il a vu des signes, des symboles divers, comme les éclairs des lampes, une mer de verre. Il a aussi vu les 4 êtres vivants. La description de leur aspect, c'était leur louange au Dieu saint et éternel. Et il va aussi voir les anciens qui adorent en répondant à ce que les 4 êtres vivants disaient. Qu'est-ce que les 4 êtres vivants disaient? C'est là que nous allons partir encore. Alléluia. Amen.
avait vu avait une signification, avait un sens. Et parlant du fait qu'il soit ravi en esprit, la Bible dit qu'il va tomber en extase. En extase. L'extase, c'est l'état d'une personne qui est comme transportée hors de soi ou du monde sensible. En extase. Maintenant, il commence à voir clair. Il va premièrement voir le 24 vieillard ou les anciens. Il va voir le 24 vieillard ou les anciens. Ce sont des êtres qui sont supérieurs, considérés comme des représentants d'une sacerdoce céleste divisée en 24 classes. Beaucoup pensent que quand on parle de 24 vieillards, ils font allusion aux 12 tribus d'Israël plus les 12 apôtres. Beaucoup pensent que c'est cela, mais ce n'est vraiment ça, pas cela. Les 24 vieillards, ce sont ceux qui représentent l'église. Plus dans l'avancée, tu comprendras. Ce sont ceux qui représentent l'église. Ce sont des personnes, quand vous voyez, beaucoup les considèrent comme si c'était des rois. Parce que la Bible dit, quand il a vu un trône avec quelqu'un assis dessus, il a aussi vu, il a vu 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards qui étaient autour de celui qui était assis sur le trône. Parce que celui qui était assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Et les 24 vieillards sont assis autour de lui. Sur ces 24 vieillards, non seulement qu'ils ont des trônes qui symbolisent une royauté, mais ils avaient aussi des couronnes qui expliquaient qu'ils avaient une dimension des rois. Cela ne fait pas d'eux vraiment des rois, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul roi. Et ce roi s'appelle Jésus-Christ. Et ils étaient vêtus comme cela. C'était le signe pour Dieu, pour dire que c'était des hommes glorifiés. Et quand on parle de 24 vieillards, ce n'est qu'une représentation. C'est normalement la place que chacun de nous doit occuper dans le royaume. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je m'en vais au Père vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Je vous prendrai avec moi et je vous emmènerai. Donc le trône où étaient assis les 24 vieillards, c'est de ce trône-là qui sont réservés à toi et à moi. Mais pour y accéder, il y a des conditions. Alléluia. Alléluia. Cela n'était que des représentants. Dieu l'avait révélé à Daniel. Il l'avait révélé à Ézéchiel. Donc c'est des choses qui sont vraies et qui vont arriver. Alléluia. Amen. Il va remarquer aussi les quatre êtres vivants qui ne sont rien d'autre que des anges.
Mais ce qu'on pouvait retenir de ces anges, de ces quatre anges, ils avaient chacun six ailes. Six ailes. Ok, c'est bon? Que servaient les six ailes? Les deux premiers servaient, leur servaient de voler. Non, d'abord de voiler leur visage. Vous savez, personne ne peut voir l'éclat de la splendeur de Dieu. Ces êtres vivants avaient des six ailes. Dieu leur servait de voiler leur face. Les deux autres leur servaient de couvrir leurs pieds. L'expression qui désigne la partie inférieure du corps, qu'ils voilent par respect pour Dieu. Je sais que tu n'es pas encore arrivé, mais tu vas y arriver. Les deux autres leur servaient de voler. Parce que les 24 d'hier étaient assis sur des trônes, mais les quatre êtres vivants restaient au-dessus de l'agneau. Comment veux-tu rester au-dessus de l'agneau? Les ailes qui leur servaient de voler. Ce sont ces ailes-là qui les maintenaient dans l'espace. Donc, ils faisaient tout le temps ça. C'est comme quand vous regardez les documentaires animaliers. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, un oiseau peut monter à la hauteur et rester au même endroit. C'est le troisième des paires des ailes là qui leur permettait de rester au-dessus. Rester au-dessus de Christ ne veut pas dire qu'ils étaient au-dessus par rapport à la puissance à Jésus, mais parce qu'ils devaient rester veillés. Alléluia! Parce que l'air les soutenait. Alléluia! Et Jésus était assis à sa place. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces quatre êtres vivants restent suspendus en restant au même endroit, soutenus par l'air que donnaient les ailes qu'ils avaient? Quel était le but pour lequel ils étaient là? Le but était simplement l'adoration. Je pense que depuis que j'ai commencé, tu ne te retrouves pas encore. Mais où est-ce que je voulais t'amener? Pour t'amener à ce que faisaient les quatre êtres vivants. Parce que ces quatre êtres vivants étaient là en train de glorifier le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Il disait: Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Ils étaient là que pour adorer l'agneau. Ils n'étaient là que pour glorifier Dieu. Maintenant, le 24 qui était là, qui représentait l'église, et ils étaient en train de soutenir ce que les quatre êtres vivants disaient. Alléluia. Amen. Les 24 d'hier, pendant que les quatre êtres vivants disaient Saint, 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 l'Éternel des armées, et ils avaient un seul rôle à jouer. Ils se prosternaient devant l'agneau. Chose qu'on a pu remarquer en eux, c'est que la Bible dit: devant l'agneau, ils ôtent leur couronne. Un signe de soumission. Pendant qu'on adore Saint, 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 l'Éternel des armées, et ils sont accroupis dans la position à genoux, ils enlèvent leur couronne, ils quittent leur trône,
pour dire tu es le seul de recevoir la gloire. Ils enlèvent la couronne pour dire nous ne sommes pas des rois à la hauteur de ce que tu es. C'est là que je vais te dire que les 24 viennent et sont rien d'autre que les représentants de l'église. De quelle église? De cette église qui triomphe. Non pas seulement de cette église qui triomphe, mais de cette église qui est glorifiée. C'est ça le rôle des 24 vieillards. Et tel que nous sommes là, Dieu nous appelle à l'adoration. Adorer Dieu veut dire lui dire ce qu'il est. Combien de gens prennent le temps d'adorer Dieu? Combien de gens prennent le temps d'élever Dieu? Même s'il accomplit des grands miracles, combien disent qu'il est le tout puissant? Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'interdit dans ta vie que selon la tribu que tu lui donnes. Si tu l'appelles Yahvé Rapha, il interviendra pour te guérir. Si tu l'appelles Yahvé Jiré, il interviendra pour pouvoir à tes besoins. Ces 24 vieillards, bien qu'ils aient des trônes, bien qu'ils aient des couronnes, ne se sont pas dit nous sommes égales. Mais ils ont reconnu celui qui était assis sur le trône, les seuls qui méritent d'être adorés. Dans ta vie, tu dois apprendre à adorer Dieu. Bien souvent, quand nous avons des problèmes, on commence à douter. C'est comme si Dieu n'était pas puissant ou tout puissant. Mais laisse-moi te dire, plus tu vas adorer Dieu, plus Dieu va te glorifier. Plus tu vas adorer Dieu, plus Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Plus tu vas adorer Dieu, plus Dieu va ouvrir des opportunités pour toi. Plus tu vas adorer Dieu, plus Dieu va t'amener de monter de gloire en gloire, de victoire en victoire, et d'expérimenter les grandes choses. Ces représentants de l'église ne faisaient que ça. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous n'arrivons jamais à nous prosterner. Quand tu regardes ton pantalon, tu prends ton pantalon pour plus important que Dieu. Alléluia. Mais ces 24 vieillards, ils avaient des couronnes sur leur tête. Et quand on parle d'une couronne que Dieu donne, ce n'est pas n'importe quelle couronne. Si Dieu met une couronne sur ta tête, c'est autre chose. Alléluia. Mais ils n'ont pas voulu entrer dans l'orgueil. Ils se sont laissés. Ils ont dit, nous ne méritons pas d'être adorés. C'est toi qui mérites d'être adoré. C'est comme cela que pendant qu'ils attendaient Saint l'Éternel des armées, et ils étaient à genoux pour répondre à ce qui se disait. Une église glorifiée, c'est une église qui reconnaît Dieu selon ses capacités. C'est une église qui reconnaît Dieu selon tout ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Aujourd'hui, nous pensons que si je suis dans telle dénomination, comme on aime dire aujourd'hui, je suis dans une grande église. Laisse-moi te dire, l'église n'est pas le bâtiment. Ce bâtiment nous sert pour être en communion fraternelle, pour qu'ensemble nous puissions louer Dieu. Mais l'église en soi, c'est ton cœur, c'est toi. C'est là que Dieu le loge. J'aimerais te dire une chose. Si tu n'as pas le temps d'adorer Dieu, de dire ce qu'il est, il y a des choses que tu verras passer dans ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu puisses l'adorer. Être une église glorieuse, c'est comprendre, comme je l'ai dit tantôt, quelle raison
que Dieu a voulu que je sois en vie? Pour quelle raison Dieu a voulu que je sois présent? Pour quelle raison? Si Dieu te garde, il n'attend pas ton argent, il n'attend rien de toi. Ce que tu peux donner, c'est pour la reconnaissance de ce que toi tu lui as donné. Mais ce que Dieu entend de toi, c'est que tu puisses l'adorer. Et laisse-moi te dire une chose. Là au ciel, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de voyage. Il n'y aura pas de boulot. Tout ce qu'il y aura là-bas, ce n'est que l'adoration. Si tu veux être cette église glorieuse, quand je parle église, je prends toi, je prends moi, je prends tous qui formons cette église, qui sommes des membres qui formons cette église. Nous devons apprendre à adorer Dieu ici sur terre. Ne nous attendons pas à ce que là-haut que je puisse demander à Dieu, donne-moi l'argent pour acheter un appartement ou une maison. Parce que là-bas, les places sont préparées. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de commencer à adorer Dieu étant sur la terre. Même quand tu trouves que rien ne va dans ta vie, mets-toi à genoux. Commence simplement à adorer Dieu. Un jour, Pierre s'est retrouvé en prison. Ses amis qui sont restés étaient en train de prier, adorer Dieu, parce qu'ils croyaient que Dieu était capable de faire quelque chose. Et Dieu l'a fait. Une église glorieuse, c'est une église qui rentre en adoration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque quand tu viens à l'église? Celui-là veut voir comment l'autre est habillé. L'autre va voir qu'est-ce qu'il va dire. L'autre va voir comment il va se comporter. On vient chercher des petites bêtes. Peut-être que tu sais, tu te dis, je ne suis pas prêt pour telle chose. Mais pour trouver une excuse, il faut qu'il y ait un problème quelque part. Alléluia. Ce n'est pas ça le rôle d'une église glorieuse. Quand je viens dans la présence de Dieu, c'est pour dire, je suis là pour t'adorer. Je n'adore que le Seigneur. On ne vient pas là pour adorer les hommes. Quels sont les hommes? Mais nous venons là pour adorer celui qui vit éternellement. Ce que nous vivons là-haut commence ici-bas. Si nous ne marchons pas correctement ici-bas, il nous sera difficile de voir ce qui va se passer là-haut. Parce que la Bible dit, rien d'impur ne rentrera dans la présence de Dieu. Si Jean a vu ces choses, il en a parlé dans tous les livres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, j'ai voulu simplement te dire que tu dois être un homme, une femme d'adoration. Quand nous devons prier, curieusement, il n'y a que Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. C'est comme s'il était un garçon de course. Seigneur, achète-moi ça. Seigneur, regarde là-bas, je veux. Il y a des moments où tu rentres dans la présence de Dieu, dans ton intimité. Parce que, vous savez, les 24 vieillards là, qui représentent l'église, en fait, ce ne sont pas des gens qui existent. Hein. Oh, on va dire non, ils existent, non. C'était une image, une représentation que Dieu a donnée pour nous donner l'explication sur des choses qui doivent arriver. Ces personnes-là n'ont je vais dire ces anges, ou, je ne sais pas comment je peux les appeler, ils n'ont pas un autre sentiment que le sentiment d'adorer Dieu. Tu rentres dans ton intimité. Au lieu de parler à Dieu de ce qu'il est, de ce que toi tu comprends de lui, dès que tu as commencé, sinon tu vas dans mon compte en banque, il n'y a plus d'argent. Je sais que toi tu es Yahvé Jireh. Fais en sorte que l'argent puisse tomber dans mon compte.
Est-ce que tu penses que Dieu peut agréer de telles prières? En plus, pour que Dieu te donne, ce n'est pas parce que tu demandes. Tu demandes parce que tu dois demander. Mais c'est Dieu qui te donne par lui-même. Parce que même les paroles que tu peux sortir des fois, c'est cet esprit qui l'inspire. Mais sache que tout ce qui se passe charnellement ne passe pas. Pour que Dieu parle à Jean, il a fallu d'abord qu'il soit ravi en esprit. Je voulais dire qu'il devienne esprit. Je voulais dire qu'il rentre dans ce monde spirituel. Je voulais dire qu'il comprenne les choses de l'esprit. Je voulais dire qu'il entende les choses de l'esprit. Je voulais dire qu'il maîtrise les choses de l'esprit. C'est pourquoi il a dit monte ici. L'endroit où il lui disait de monter, ce n'est pas l'endroit où lui était. Il lui a dit monte pour que ses pieds ne touchent plus la terre, que ses pensées ne soient plus charnelles. Monte ici. Tu veux être une église glorieuse, il faut que tu montes. Les dénominations, Jésus-Christ, soleil de la vie. Dans le dernier temps, quand Jésus viendra prendre son église, il y en a d'autres qui vont rester. Qui vont rester? Ceux qui seront distraits. Si tu meurs ou que je meurs, ma vie sur terre prend fin. Mais après la vie sur terre, il y a une vie. Si tu crois en cela, tu sauras comment te comporter. Je disais une autre fois à une conférence de jeunes, peut-être que tu as 10 ans. Tu penses que tu es le premier à avoir 10 ans. Nous tous nous sommes passés par là. C'est pour te dire juste qu'est-ce que tu es que personne n'a jamais été. Qu'est-ce que tu as que personne n'a jamais eu. Qu'est-ce que tu possèdes que personne n'a jamais possédé. Nous devons nous ressaisir, devenir nous-mêmes des églises. C'est-à-dire que partout où je passe, je transporte la gloire de Dieu. Quand on me voit au boulot, pasteur, je me rappelle encore quelqu'un qui m'a dit au travail, il dit mais toi tu es pasteur, ça gagne bien l'église, pourquoi tu ne restes pas là, tu viens travailler ici? Je lui ai dit, je ne travaille pas pour l'argent, c'est ma façon d'adorer Dieu. Je sais qu'il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la force. Quand je regarde là où j'étais, si on me disait de retourner dans ce que j'étais, je n'y retournerai plus jamais. Et si on m'avait dit, je vais prendre la pensée de Nicodème. Est-ce que quelqu'un qui est vieux peut-il renaître encore, rentrer dans le ventre de sa mère? Si Jésus aurait permis que nous puissions retourner enfants en ayant la même connaissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais très bien fait les choses. Et cette fois-là, ça ne serait plus tâtonné. J'allais suivre à la lettre. Le Seigneur a dit ça. Ah, j'ai fait ça. Pour que je puisse grandir fort. C'est pourquoi je dis aux jeunes, vous qui connaissez Dieu à votre bas âge, vous qui avez des parents qui servent encore, qui servent Dieu, profitez de cette occasion. Nous étions dans des maisons où papa était soulard. Tu connais qui on appelle soulard? Celui qui boit beaucoup. Et quand il boit et qu'il revient à la maison, on était sept.
Il suffit qu'il rentre, qu'il remarque rien. Il commence à taper le premier jusqu'au septième. C'était ça notre vie. Du premier au septième. Si vous regardez mes deux doigts là de près, tu vois qu'il y a un défaut. Tu vois que c'est pas regarde par rapport à l'autre. Tu vois? Regarde. Pendant qu'il tapait les autres. Parce qu'il tapait le premier, après le deuxième, après le troisième. Comme moi j'étais sixième. Ces jours-là, je me suis dit, bon, je vais aller me cacher. On avait un grand camion à la maison, dans la parcelle. Comme il n'y avait plus de pneus, je suis rentré là. Je suis caché. Sauf que j'ai mis ma main sur les. Tu vois les cloisons quand on tourne les volants là. Là où ça tourne là. Moi j'ai mis mes doigts là. On a tapé mon frère qui est au Canada. Maintenant, après lui, c'était moi. Maintenant, lui, quand on l'a tapé, quand tu sors, tu dois appeler l'autre, tu dois dire rentre. Et maintenant, il venait me chercher pour me dire d'entrer à l'aide de te frapper. Il rentre dans le camion. Il pleurait avec le fait de la colère que cela suscitait. Parce qu'on n'avait rien fait. Il a tourné le volant. Mais toi qui étais là, les deux là, même jusqu'au jour quand je le vois comme ça, je dis merci Seigneur. Je ne pensais plus le récupérer. Tout cassé. Mais comme Dieu fait bien les choses, si vous avez des parents qui servent Dieu, profitez-en. J'aimerais seulement te dire, l'église Jésus-Christ serait de la vie, c'est une église. Mais toi-même, là où tu es une église. Tu es le temple du Dieu Tout-Puissant. C'est en toi que loge le Saint-Esprit. Si tu as des parents qui connaissent Dieu, profite-en. Mène une vie d'adoration. Quand tu grandiras, tu ne le regretteras pas. Alléluia. Amen. Malheureusement, tout ce que nous faisons a des conséquences positives comme négatives. Soyons une église glorieuse, glorifiée. Cette église glorifiée, c'est l'église que Dieu conduit dans sa gloire. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans Clermont-Ferrand. Mais pour l'expérimenter, il faudrait que toi et moi, nous soyons une église glorifiée. Je n'ai pas parlé des dénominations, j'ai parlé de toi. J'ai parlé de moi. Prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps d'exalter Dieu. Pendant qu'on chante des chants à la louange de Dieu à l'église, toi tu es distrait. Alors que pendant que les êtres vivants criaient, les 24 vieillards qui sont des représentants de l'église accompagnaient ce que les 4 êtres vivants disaient. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Sois une église glorieuse. Marche avec Dieu. Sache que ce que tu fais aujourd'hui est une sémence que tu finiras par récolter. Jésus se retrouve avec la femme samaritaine. Il dit, mais nous adorons à Jérusalem. Vous adorez à Jérusalem. Mais nous adorons autre chose. Jésus va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient où ce ne sera plus à Jérusalem. Et il va lui dire des personnes que Dieu demande. Qui sont-ils? Dans Jean 3:5, la Bible dit, Jésus parla à la femme samaritaine. D'abord, si un homme n'est né. Pardon. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer le royaume de Dieu. Maintenant, pour l'amener à l'adoration, dans Jean 4:23, la Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père. Beaucoup de gens disent cherche. Dieu ne cherche pas les adorateurs. Il demande les adorateurs. Alléluia. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut des fois rentrer dans un moment d'adoration où tu n'es qu'en train de parler de Dieu et de ce qu'il est. Le double caractère de l'adoration, c'est une action de l'Esprit de Dieu dans l'homme. L'action de l'Esprit de Dieu dans l'homme, c'est ça le caractère, le double caractère de l'adoration que doit donner un adorateur et un vrai. Soyons une église glorieuse. Soyons une église glorieuse. Adorez le Père. Tu ne peux pas le faire si tu ne le connais pas. Tu dois l'aimer et surtout être devenu réellement enfant de Dieu. Vous savez, j'aime toujours dire, la Bible dit quand nous sommes baptisés, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Mais d'autres ne meurent pas. Ils s'évanouissent. C'est-à-dire, quand tu descends, ils s'évanouissent. Quand tu reviens à la surface, si tu joues avec moi, Natacha, je vais mettre cette Bible de côté. Et tu vas voir. Ça, c'est un homme qui s'est évanoui avec Christ. Tout ce que tu trouves de bien, c'est montrer qui tu étais. Lui va sentir, moi. Il va me sentir. Qu'il attend qu'on va sortir. Il va voir. Tu veux que les gens puissent te voir ton côté violent. Alors que pour marcher avec Christ, tu dois être humble. Vous savez, le Seigneur Jésus Christ pouvait dire que tous ces militaires qui venaient l'arrêter, stop. Restez là debout jusqu'au jour où Désiré Mayeni qui naîtra. On allait le voir. Il s'est humilié. Il s'est laissé. Et la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Tu veux être élevé, reste humble, adore Dieu, accepte ce que Dieu veut pour toi. Des fois, quand tu regardes ta situation, tu peux te dire Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, il juge avec justice et il agit avec équité. Dieu sait ce qu'il fait. Même quand tu sembles dire que non, ça ce n'est pas bon pour moi, tout ce que Dieu a fait est parfait. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Et ce qui te permet que tu puisses traverser est parfait. Toi tu peux souffrir, mais Dieu voit que c'est parfait. Parce que derrière, il y a un but pour lequel tu le vis. Soyons une église glorieuse. Soyons une église glorieuse. Lève-toi. Lève-toi. Dans l'assemblée des saints, ensemble, à soif, je me tiens. Et ton nom, thank you.
dans l'assemblée des saints, à soif de je me tiens. Conscient que mon destin est dans les creux de ta main, que ton nom descende sur moi. Conscient que mon destin est dans les creux de ta main, que ton nom descende sur moi. Sur moi. Sur moi pour que je réfléchisse comme l'esprit mais les dames me demandent. Déverse ton onction sur moi pour que je sois une église glorieuse. Élève ta voix. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Élève ta voix, commence à prier, bien aimé. Demande l'onction de Dieu sur toi. Père, je sais notre Dieu que tu es le véritable Dieu. Je demande ton onction sur moi, sur mon frère, sur ma soeur. Ton onction, notre Dieu, dans chacun de nous. Ton onction qui nous amènera, notre Dieu, de pouvoir expérimenter tes bienfaits. Ton onction qui fera, notre Dieu, que nous puissions expérimenter les choses autrement. Ton onction qui nous amènera, notre Dieu, à une autre dimension. Ton onction qui nous amènera, notre Dieu, à une autre réflexion. Ton onction qui nous amènera, notre Dieu, Père éternel, à te comprendre, à saisir, notre Dieu, l'essence de ce que tu dis, l'essence de ce que tu accomplis, toi le véritable Dieu. Ton onction, nous en avons besoin, notre Dieu, car nous voulons voir, notre Dieu, Père, notre marche changer de jour au jour, Père éternel, de chaque moment, à chaque instant. Donne-nous, notre Dieu, de vivre ton onction, pour que nous puissions comprendre, oh Dieu. Fais-nous grâce, notre Dieu. Déverse ton onction, notre Dieu, sur l'église, sur chacune des membres de l'église, membres de la famille. Père éternel, nous voulons, notre Dieu, Papa, expérimenter ta volonté. Déverse ton onction, notre Dieu. Que ta gloire descende, Père éternel, puisse nous accaparer de nous. Que ta gloire descende, puisse nous amener, notre Dieu, Père éternel, à expérimenter autre chose. Que ta gloire descende. Que ton onction nous amène, notre Dieu, dans une dimension exceptionnelle. Que ton onction soit déversée sur chacun de nous, parce que nous voulons vivre de grandes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chama, yeah, chama.
amen, amen. Est-ce que vous avez été bénis? Acclamons pour la parole de notre Dieu. On va prier pour le pasteur afin que Dieu puisse continuer à l'utiliser. Prions. Éternel Dieu, mon Dieu, nous te bénissons ce midi pour cette parole, pour ton serviteur que tu t'es choisi, mon Dieu, moi. Nous prions en ce jour afin que tu puisses continuer à l'utiliser. Que tu sois avec lui, mon Dieu, moi, dans tous ses projets, dans tout ce qu'il voulait accomplir, mon Dieu, moi. Que tu sois le premier. Que tu puisses être son combattant, mon Dieu, moi. Que tu puisses mettre en déroute peut-être tous ceux et celles qui voudront s'approcher de lui, que tu sois avec ses proches, que tu sois avec sa famille, que tu sois avec ses enfants, mon Dieu, mon roi, que ta bénédiction soit sur leur vie. Seigneur, aide-le à grandir dans sa vie spirituelle, ouvre-lui les bonnes portes, mon Dieu, mon roi, afin que tes mon Dieu, mon roi, qu'il puisse toujours continuer à te servir. Sois avec lui, mon Dieu, mon roi, dans tout ce qu'il veut entreprendre, que ta main puisse soit toujours soumise. Glorifie ton Saint-Nom dans sa vie. Gloire, honneur, louange te soit rendu, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte pour les communiquer, sachant que nous avons nos cultes le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h. Le dimanche de 10h30 à 12h30. Nous avons notre temps de prière chaque matin sur YouTube, également sur la page Facebook du pasteur Serge. Tous les matins à 6h30, avec le thème « Passons à l'autre bord ». La clôture aura lieu ici le samedi 30 de 10h à 13h, si je ne me trompe pas. Et préparons-nous pour notre jeûne qui se tiendra du 18 au 24 décembre. Avec des restrictions bien précises, pas de viande ni de poisson, afin quand nous allons couper notre jeûne. Voilà. Je vais inviter le pasteur afin. Ah oui, je vais demander s'il y a de nouvelles personnes qui sont parmi nous. Ma soeur, je te prénomme. Ami? Abby, sois la bienvenue parmi nous. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, le soleil de la vie. Tu as été invité par qui? Merci. Maman. Chantal, sois la bienvenue parmi nous. Merci de votre présence. Si vous n'avez pas d'église, bien sachez que vous êtes la bienvenue ici. D'accord. Merci, pasteur, de votre visite, de votre passage dans ces lieux. Nous allons mettre fin à notre culte. Et je vais inviter le pasteur à clôturer. Merci. J'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur. Et je vais prier. Seigneur Dieu, je te dis merci ce matin. Parce que tu as rendu possible notre rencontre d'aujourd'hui. Je te dis merci pour toutes ces personnes, notre Dieu, qui ont bien voulu répondre présent dans cette salle en présentiel. Je te dis aussi merci pour tous ceux et celles, notre Dieu, qui nous suivent depuis l'Internet. Père, nous croyons que tu es un Dieu qui n'est débiteur de personne. Ta parole dit, après l'obéissance, c'est la bénédiction. Nous te disons merci parce que cette bénédiction qui n'est accompagnée d'aucun chagrin est le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus. J'ai prié, Père éternel, pour nos bien-aimés, le pasteur et sa femme qui nous visitent, aussi pour ta fille, notre Dieu, qui pour la première fois a franchi les seuils de cette maison, qu'une grâce particulière leur soit donnée. Que dans tout ce qu'ils feront, notre Dieu, que toi tu te fasses montre, que tu puisses accomplir ta volonté dans leur vie. Tous les combats auxquels ils pourront faire face, que toi tu puisses les prendre pour toi. Et fais-les de même, notre Dieu, pour toute l'assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Par les temps qui courent, où beaucoup de gens veulent voir certains tomber,
Père, nous croyons notre Dieu qui ne tombera même pas un seul cheveu de nos têtes au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons des pièges, Père éternel, fais en sorte, notre Dieu, comme tu es le maître des temps et des circonstances, que tu puisses créer des circonstances qui permettront à ce que nous ne puissions pas passer où il y a des pièges. Nous voulons être gardés, notre Dieu, en vie, non pas pour nous rentrer dans l'orgueil, mais plutôt pour te servir, mais être des vrais adorateurs. Fais de nous, Père éternel, chacun d'entre nous, une église glorieuse, pour qu'ensemble, nous puissions allumer le feu dans Clermont, ses environs, dans la région, comme aussi dans ces pays, la France. Père, je prie notre Dieu pour tous ceux et ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, Père éternel. Toi, tu connais l'objet de leur empêchement, que tu puisses les visiter au nom de Jésus-Christ. Notre chemin de retour entre tes mains, permet notre Dieu que nous puissions d'abord garder notre bénédiction et pouvoir la transporter, notre Dieu, tout au long de la semaine qui commence. Que partout nous serons, tout ce que nous toucherons, tout ce que nous ferons, puisse réussir avec toi au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions atteindre nos domiciles, notre Dieu, avec toi, et fais en sorte, Père éternel, que même cette nuit, quand nous serons couchés, endormis, que tu puisses nous parler et que nous serons à même, notre Dieu, de pouvoir comprendre ces choses. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous souhaitons un après-midi béni. Et nous vous rappelons aussi que mardi, nous sommes là pour la prière d'intercession et jeudi pour notre prière d'édification, pour notre culte d'édification. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si comme celui que tu n'as pas vu appelle pour avoir des nouvelles, et cela fera que l'église reste une. Que Dieu vous bénisse et nous vous aimons. Shalom.